Can't touch this. Nous allons mettre sur la table une question centrale, celle de l'Internet civilisé. Je ne dis même pas de l'Internet régulé. Je dis de l'Internet civilisé. Merci Nicolas. Donc, si l'Internet a besoin d'être civilisé, c'est qu'il ne l'est pas. Et donc, ceux qui le peuplent, les internautes, nous, vous, serions des barbares. C'est noté. 4 ans plus tôt, c'est la République populaire de Chine, l'un des 10 pays ennemis de l'Internet, qui voulait le civiliser. Bel héritage. Donc, quoi de mieux qu'une conférence mondiale pour permettre de civiliser ce fichu Internet ? La veille du G8, je réunirai avec l'accord de mes collègues, et notamment du président Obama, les grands intervenants de la société virtuelle dans chacun des pays du G8. Ah, l'IG8, Paris, capitale de l'Internet. Ses tentes blanches, son jardin des Tuileries, ses invités poids lourds, Facebook, Google, les décideurs du web. Et au milieu de ces illustres causeurs, un internaute, un barbare, un peu perdu. I'm grateful to be here. A little surprised. Given the other members of the panel, because I don't think I'm from the same planet, actually. En gros, il disait, bon, écoutez, ça a été plutôt sympa pendant un temps, mais maintenant, il faut que tout le monde grandisse, et que les États-nations reprennent le pouvoir et récupèrent tout ça, parce que c'est devenu trop important pour qu'on vous laisse ça à vous, les gens. Ce qui était d'une arrogance sans nom. Et puis, un second qui demande au président Sarkozy de prêter un étrange serment. Bonjour, monsieur le président. Je m'appelle Jeff Jarvis from the University of New York. A U.S. Official calls the Internet an 8th continent. It's a new land. And so as you go to the G8, I have one small request. I would ask a government to take a Hippocratic oath for the Internet. That is, first, do no harm. Ne pas vous nuire. Mais bien sûr. Pourquoi voudriez-vous qu'on vous nuise? Vous êtes un potentiel de croissance, de connaissance extraordinaire. J'aime votre expression, le 8e continent. Je l'imaginais déjà plantant le drapeau de la France dans ce nouveau continent de l'Internet. Mais si n'importe quel gouvernement peut proclamer sa souveraineté sur l'Internet, alors ce n'est plus du tout l'Internet. Je résume. IG8, Grand Ponte, Net Économie, Contrôle, Droit d'auteur, les thèmes sont clairs, simples, efficaces et civilisés. Ah. C'est quoi ce bruit? Le printemps arabe? Des dissidents qui protestent et le font savoir au monde en utilisant Internet. Ça aurait pu être un thème intéressant pour cet IG8. Mais bon, la liberté d'expression, c'est moins sympa que les dirigeants d'entreprises privées qui viennent défendre leur business. Ça, c'est glamour et plus rentable. On a donc d'un côté des gens connectés qui utilisent un outil, le réseau Internet, pour s'exprimer librement, pour se parler, échanger. Et puis de l'autre, certains politiques ou industriels qui ne comprennent pas d'où vient ce bruit, ce brouhaha où n'importe qui peut dire n'importe quoi, et qui cherchent à baisser le volume, question de confort. Ceux qui parlent depuis toujours, c'est eux, ceux qui passent à la télé, normalement. Et ça, ça donne une contre-histoire du net. Et elle commencerait comme ça. Vous pensez qu'Internet a été créé par des militaires pour protéger les communications en cas d'attaque nucléaire? Eh ben, c'est plus compliqué. La plupart des gens qui l'ont créé étaient des hippies, même s'ils travaillaient pour la DARPA. Une grande partie des gens qui ont créé l'Internet
prenait du LSD. Donc c'était naturellement un environnement plutôt ouvert d'esprit. Été 67, San Francisco, Summer of Love, hein, c'est le climax de la culture hippie. C'est juste après qu'ils vont tous dans les forêts, hein, les hippies, et c'est vraiment les mêmes qui, quelques années plus tard, vont dire on a un autre lieu, on a un autre territoire pour faire communauté, pour réinstaller ce qu'on n'a pas su faire dans le monde réel, qui est le territoire virtuel. L'informatique, c'est tout comme le LSD qu'ils prenaient par ailleurs, c'est la même chose, ça augmente l'esprit. Ça va être un outil qu'on va bricoler, qu'on va fabriquer, dont on va pouvoir agir sur le code soi-même. Et en faisant ça, on élargit son rapport au monde depuis les individus qui vont se connecter un par un. En parallèle, sur la côte est des États-Unis, ce même esprit de bidouille et de bricolage se diffuse. Le MIT, célèbre institut de recherche, se met à embaucher des systèmes hackers, comme Richard Stallman, qui inventera 10 ans plus tard les logiciels libres. Et à l'époque, jusque dans la technique, rien ne verrouille cet esprit d'ouverture. Au début, nous n'avions pas de mot de passe. Il n'y avait aucune sécurité dans notre système informatique. Et la raison est que les hackers qui avaient créé le système, quelques années avant que je n'arrive, s'était rendu compte que n'importe quel système de sécurité aurait permis aux administrateurs de contrôler et de restreindre les hackers. Donc, ils se sont dit, pourquoi leur fournir un outil qu'ils pourront utiliser contre nous? Et c'était très bien comme ça. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Le système n'essayait pas de contrôler les êtres humains. Plus tard, l'administration a essayé de mettre des mesures de sécurité et a fait pression pour installer des mots de passe. Donc, j'ai écrit un programme informatique pour récupérer puis décrypter les mots de passe des gens. Et puis, je leur ai envoyé un message en leur disant « J'ai vu que ton mot de passe était le suivant. Pourquoi ne pas me rejoindre et n'utiliser aucun mot de passe ? Tu as juste à appuyer sur la touche « Entrée ». C'est le mot de passe le plus court qui existe. C'est très rapide à écrire et c'est tout aussi sécurisé que le mot de passe que tu utilises actuellement. Et en plus, tu milites contre les mots de passe. Ce qui nous unit, c'est le partage. C'est la notion de partage. Si une information ne peut pas passer par là, elle passe par là. Elle passera par tel ordinateur ou par tel autre, mais elle finira par se rejoindre. C'est comme ça que c'est conçu par les militaires américains. Et finalement, c'est comme ça que c'est détourné par la suite, à un moment donné par les universitaires américains, puis par des gens comme nous, et puis maintenant par la planète entière. Soudain, les gens ont découvert qu'ils avaient la capacité d'utiliser ce médium pour partager des informations entre eux. Et quand il y a eu suffisamment d'informations sur le réseau, il a fallu des moteurs de recherche pour trouver des choses. Cette combinaison entre le World Wide Web et les moteurs de recherche a permis aux gens de se découvrir les uns les autres, même s'ils ne se connaissaient pas. Qu'est-ce que c'est que le net ? C'est ça, c'est un échange de pair à pair, peer to peer, de 1 à 1, ou de 1 à 1000, ou de 1000 à 1. C'est d'inverser complètement les choses telles qu'elles ont été jusqu'ici avec le clergé, l'Église qui donnait la bonne parole, puis le politique qui donnait la bonne parole, puis l'imprimeur qui donnait la bonne parole. Là-dedans, il y a des choses formidables. Mais on disait juste, changeons ça. Il y a un outil qui permet de changer ça. Essayons. Je m'exprime et potentiellement mon voisin, tout comme le reste du monde, peut me lire. Voilà ce qu'apporte ce réseau pensé sous LSD. Parmi les premiers, les ados s'en emparent vite, très vite. Certains les appellent pirates, d'autres hackers ou corsaires, mais ce sont surtout des curieux. Ils cherchent, testent, bidouillent. Et leur jeune âge n'est pas un hasard. C'est l'endroit rêvé pour échapper à la censure parentale, le lieu des possibles, de l'aventure. Ah, fichue jeunesse ! J'ai pensé que ces gosses, ces hackers, étaient un peu consternants. Ils paradaient, ils étaient provocants. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de différence entre eux et ceux qui faisaient du skate. Je me suis dit qu'on pouvait leur prendre leur modem et leur filer un skate, ce serait la même chose. Et puis,
Mais ensuite, j'ai entendu que l'un d'entre eux était rentré chez lui, avait retrouvé sa sœur de 12 ans, entourée de pas mal de gens des services secrets, qui pointaient leurs armes sur elle, pendant que d'autres vérifiaient tous les trucs électroniques de la maison, y compris son radio-réveil et ses cassettes de Metallica. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ces loustiques sont plus dangereux que je ne l'imaginais, si le gouvernement les traite comme ça. Mais le gouvernement agissait comme s'il menaçait notre civilisation. Mais selon moi, ce n'était pas ça du tout. Il me paraissait même sacrément civilisé, d'une manière plutôt avancée. Dysfunctioning of radar shield. Rigner, check the radar box. Et rapidement, les différents services de renseignement ont tous cherché à intégrer les compétences de ces bidouilleurs des réseaux. Ça nous est arrivé à 6h du matin d'arriver à un pavillon situé en province à Tours et de taper à la porte pour dire voilà police, perquisition, d'avoir des parents qui nous ouvrent les yeux ronds en disant mais mon fils, mais il n'a jamais quitté sa chambre, il est toujours dans sa chambre, etc. En fait, c'était un pirate réputé et il était mineur. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une population nouvelle, on est un peu démunis face à ce problème-là, et nous ne pouvions pas recruter des gens comme ça pour la maison. Par contre, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas faire le service national des gens, vous voyez l'intérêt du service national, de gens réputés, etc., et qui pourraient travailler non pas dans l'ombre, mais pour la nation. Donc on a commencé à recruter effectivement des gens. À l'époque, on ne disait pas hackers, on disait plutôt pirates, qui nous ont aidés à comprendre. En France, c'est l'époque où débarquent dans les sous-sols de la DST les baleineaux, recrutés par le général Guyot, alias la baleine. J'en avais qu'un la première année, j'en ai eu deux la deuxième année, puis après c'est monté jusqu'à une dizaine, une quinzaine. Je les recevais tous personnellement avant, alors j'avais averti les centres de recrutement, des profils que je recherchais, je recevais les gars et j'ai sélectionné suivant leur sens de l'humour. Plus ils savaient rigoler, plus ils étaient sérieux pour moi. Parce qu'il faut être fou pour faire ces choses, il faut s'amuser. Tous les ans, on avait de nouveaux baleineaux et tous les ans, ils pouvaient nous apporter quelque chose de nouveau. Mais c'était des gens pour la plupart valables, d'autres où on se méfiait, hein, parce qu'on les triait sur le volet tout de même. Hein. Le KGB avait fait la même chose que nous, comme il n'avait pas beaucoup d'informaticiens chez eux à ce moment-là. Ils ont recruté, ils ont détecté des gens, des hackers, et ils leur ont dit, écoutez, au lieu de vous amuser pour rien, moi je vous paye un petit peu plus si vous allez voir tel ou tel système. Les Anglais et les Américains ne s'en prévaient pas non plus. Hein. En 1991, je suis sur un plateau de télévision et je vois un hacker, présenté comme un hacker, qui s'appelle Jean-Bernard Condat. Il représente un groupe né très récemment qui s'appelle le KO Computer Club de France. Et je m'aperçois sur le plateau qu'il est en fait de mèche avec les policiers qui sont aussi présents. Je veux savoir, est-ce que je peux rentrer dans le ministère de la Défense irakien? Je veux savoir combien de munitions ils ont en ce moment dans leur stock. Voilà, page 629 de ce charmant. Irak, le réseau est IDAS, IDAS, géré par la société qui s'appelle BTC. Le code d'accès, 0 pour sortir, 4180 code d'accès. Ensuite, vous cherchez dans le paragraphe d'avant, je n'irai pas, le numéro de l'ordinateur central de la société BTC, à qui vous allez demander l'ensemble des ordinateurs gouvernementaux, médicaux ou... Bon, j'arrive à Irak et je peux ensuite décliner. Vous descendez dans l'arborescence, comme dans une architecture, en demandant systématiquement... Mais personne ne s'en aperçoit. Oui, je pense qu'il y a des mots de passe à l'intérieur. Absolument pas, car il n'y a pas de mots de passe qui bloquent à l'intérieur. Comme le disait mon cher collègue, il est totalement possible et directement... Philippe Gorgé, oui, vous êtes devenu collègue de monsieur. C'est bon. Il m'a sorti mon fichier personnel tout à l'heure. D'accord, mais il en fait d'autres. Philippe Le Gorgé, le collègue en question, était en fait un ancien gendarme, ex-patron du GIGN. Et donc je vais le voir et il m'explique effectivement qu'il travaille avec la police. C'est quelque chose qui a eu un effet un petit peu dévastateur, c'est que ça s'est su évidemment très vite, hein, comme tout se sait très très vite sur Internet, là ça s'est su super vite, et on s'est retrouvé avec une communauté qui a complètement éclaté, qui s'est orientée plutôt vers le logiciel libre plutôt que vers la culture de la bidouille, vers le hacking, et ça a eu un autre effet dévastateur, c'est qu'il n'y a pas de...
il n'y a pas de culture du hacking en fait forte, et donc les médias, quand les grands médias, quand ils commencent à causer de hacking, effectivement, on se retourne toujours vers le cliché du pirate et non pas en fait du maker, du doer, de la personne qui va fabriquer, qui va détourner des objets, et on perd en fait vraiment l'essence du mot. Des agents de la police judiciaire ont perquisitionné les locaux du Chaos Computer Club de Hambourg la nuit dernière. Des membres du club, qu'on appelle des hackers, sont soupçonnés d'avoir pénétré dans le système informatique du Centre européen de recherche nucléaire. Récemment, le club aurait hacké le système informatique de la NASA. La police crée la surprise. Perquisition au Chaos Computer Club de Hambourg. 15 spécialistes de la police de Hambourg, accompagnés de leurs collègues français et de la police judiciaire, ont perquisitionné les locaux du club, ainsi que 3 appartements. En créant le CCCF, les services de renseignement français s'étaient en fait inspirés du premier grand groupe de hackers, le Chaos Computer Club, créé 10 ans plus tôt en Allemagne et qui, malgré les tentatives d'infiltration, a toujours su rester indépendant. Andy Muller-Magoun, l'un des membres historiques de ce club, est bien loin des pirates décrits par les médias. L'éthique des hackers a toujours joué un grand rôle pour le Chaos Computer Club. À commencer par l'idée que l'ordinateur est un outil pour résoudre collectivement des problèmes. Donc l'idée est de garantir l'accès à l'information pour tous et qu'il y ait moins de concentration du pouvoir. C'est ce qu'Internet nous permet en nous donnant les moyens de communiquer librement sans limite ni contrainte avec le monde entier. Bien sûr, derrière cela, il y a un but pacifique, car des personnes qui discutent ne se tirent pas dessus. Le hacking, c'est la démarche scientifique. On observe quelque chose qu'on ne comprend pas, et on se demande, bon, ben, comment, pourquoi, et on va chercher à comprendre. C'est ça, le hacking. C'est les hackers qui ont construit les premiers ordinateurs, les premiers langages de programmation. C'est les hackers qui ont construit Internet et qu'ils construisent tous les jours. La morale du hacker, ça veut dire en quelque sorte que vous pouvez contourner les problèmes. Donc on essaye toujours de contourner les problèmes plutôt que de les affronter. Mais il y a des menaces contre l'Internet auxquelles nous devons faire face. Il y a des États tyranniques qui essaient de contrôler l'Internet. Il y a de bons gouvernements qui se comportent mal sur Internet en essayant de filtrer tous nos contenus, en essayant de nous surveiller ou de contrôler le net de différentes manières. On ne peut pas simplement contourner cela, parce qu'on pense parfois faire quelque chose de juste et de libre sur le net, mais on finit en prison. C'est un fait que quasiment tout ce qui circule sur Internet est enregistré par la NSA. Et je connais bien la NSA, de l'intérieur. Et je peux vous dire que leur despotisme est amoindri par leur incompétence. Ils peuvent enregistrer tout Internet, mais ils n'ont aucune idée de quoi faire de ces données. Et plus ils en ont, plus ils sont confus. Better look through the telescope, Pedro. We'll find out what they're doing. This is Santa's Magic Observatory. What wonderful instruments! The Earscope, the Teletalker that knows everything, the Cosmic Telescope, the Master Eye. Nothing that happens on Earth is unknown to Santa Claus. Qui va donc chercher une réponse à cette surveillance massive du réseau qui pointe à l'horizon? Les mêmes ados, les bidouilleurs, les hackers. Depuis le début, ils construisent le réseau en fonction de leurs envies ou besoins. Il y a un nouveau besoin, préserver nos échanges, donc arrive un nouvel outil. En 1984, j'étais très actif dans les mouvements pacifistes. Je développais aussi des logiciels qui permettaient d'aider certains mouvements pour la paix et la justice, comme le Comité de solidarité avec le peuple du Salvador. J'avais remarqué que leur bureau avait été cambriolé par le FBI, qui avait pris la liste de leurs membres et donateurs. Ça m'a semblé évident que ce genre d'organisation puisse chiffrer leurs documents afin de les protéger en cas de cambriolage par le gouvernement. Donc, j'ai voulu créer un logiciel qui pourrait chiffrer des fichiers en utilisant un système de cryptographie à clé publique, ce qui a donné naissance à PGP.
On a commencé à voir arriver un tas de choses qui accentuaient la pression en termes de surveillance, et c'est ce qui m'a motivé pour que PGP soit libre et gratuit. Et c'est ainsi que le code source s'est répandu dans le monde entier. Ah, satanée manie du partage. Sauf qu'à l'époque, la cryptographie, considérée comme une arme de guerre, était exclusivement utilisée par les militaires et interdite à l'exportation. Autant dire que les autorités américaines, à commencer par les grandes oreilles de la NSA, l'agence qui écoute les communications, n'ont guère apprécié. J'ai vu un fichier qui contenait la première version du programme, son manuel et son code source. Je l'ai téléchargé et j'ai tout lu. Et la nuit même, je lui écrivais un message où je lui disais « Félicitations, vous avez fait quelque chose de formidable. Vous allez changer le monde. Vous allez aussi vous mettre dans un sacré pétrin. Quand les problèmes arriveront, je pourrai vous aider. » Voilà qui je suis, voilà ce que je fais, et vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. C'était 10 jours avant qu'un officier fédéral ne vienne frapper à sa porte, à Boulder, dans le Colorado. 3 ans plus tard, ils ont laissé tomber l'affaire. Il y a eu beaucoup de réactions très vives contre cette enquête criminelle. Toute l'industrie informatique était de mon côté, et c'est l'industrie la plus puissante aux États-Unis. Avec du recul, la vraie réponse, c'est que le e-commerce avait besoin du chiffrement fort. Et donc, ils nous ont laissé faire, parce que ça a permis aux banques de faire de l'argent. Si nous pouvons chiffrer nos données, ce n'est pas parce que les gouvernements ont capitulé face à M. Zimmerman, mais c'est parce que les gouvernements ont capitulé face à des banques comme Citibank, Deutsche Bank et la Société Générale. Il est assez choquant d'entendre dire que la cryptographie devrait être hors la loi. Car si on nous interdit de protéger nos données, les criminels, eux, pourront toujours le faire. Ils peuvent embaucher toute la mafia russe pour le faire. Donc si la protection de la vie privée est hors la loi, ça veut dire que seuls les hors la loi ont droit à une vie privée. L'idée d'origine, c'est pourtant juste le respect de la vie privée. Internet en soi, c'est autant la communication totale que la surveillance globale. Donc permettre d'échanger sans risquer d'être surveillé, ce n'est pas un crime. Ça pourrait même être plutôt utile et sain. Et on va nous dire après que ceux qui font vivre le réseau, qui pensent ce genre de solution pour le préserver, sont des illuminés. Fallait pas les chercher. Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. I had written, or sort of dashed off. Un jour, j'ai écrit une sorte de déclaration d'indépendance du cyberespace, et je l'ai envoyé à mes amis. Je ne pensais pas vraiment que ça irait plus loin. Mais le lendemain matin, j'ai réalisé que ça avait fait le tour du monde. Je recevais des emails de gens d'un peu partout. C'était un sacré moment. J'étais un peu déconcerté parce que je n'avais pas franchement fait attention quand j'avais écrit ce texte. Et je ne pouvais pas imaginer une seconde que ça allait devenir un document de référence. Mais ça l'est devenu, en une nuit. We have no elected government, nor are we likely to have one. Combien faudra-t-il de jeunes filles violées pour que les autorités réagissent? Combien faudra-t-il de morts suite à l'absorption de faux médicaments? Combien faudra-t-il d'adolescents manipulés? Combien faudra-t-il de bombes artisanales explosant aux quatre coins du monde? Combien faudra-t-il de créateurs ruinés par le pillage de leurs œuvres? Il est temps, mes chers collègues, que se réunisse un G20 du net qui décide de réguler ce mode de communication moderne envahi par toutes les mafias du monde. Hey guys, me, I'm Ah, ce fameux réseau mafieux.
Depuis de nombreuses années, les autorités posent sans cesse la même question. Mais qui se cache derrière cet Internet? Et donc, qui tenir pour responsable? 6 mai 1996, première tentative de réponse. En France, une descente policière a lieu chez deux fournisseurs d'accès à Internet indépendants, WorldNet et FranceNet. Des photos pornographiques mettant en scène de jeunes enfants. Voilà ce qu'ont trouvé les gendarmes sur les deux réseaux incriminés. Les deux gérants ont été envoyés devant la justice. On les tient! Les responsables seraient donc ceux qui gèrent les tuyaux par lesquels passent les contenus, comme si le facteur était responsable du courrier qu'il transporte. Rafi Aladjian, fondateur de FranceNet, fut l'un des deux PDG menottés ce matin-là. Le problème avec la pédophilie, c'est que c'est un sujet facile. C'est ça le truc, c'est que la pédophilie est le seul sujet dans lequel il y a de manière non ambiguë quand on voit une photo pédophile, on sait qu'elle est pédophile et on peut décider directement de la supprimer. Mais le problème, c'est qu'en supprimant cette photo pédophile, on reconnaît immédiatement qu'on a cette capacité de censure et donc de responsabilité sur tous les contenus, y compris tous ceux qui sont beaucoup plus ambigus. Donc si vous supprimez des images pédophiles, vous êtes aussi responsable de tout message à caractère haineux, dans lequel il y a de l'exercice illégal de la médecine, toute violation de copyright, que vous connaissez ou pas. Ce qui était en jeu, c'était quel est le rôle d'un fournisseur d'accès? Est-ce que c'est un type qui censure tout le web et qui fait une espèce de jardin censuré, ou bien c'est un type qui dit voilà un tuyau et tout ce qui est derrière, c'est à vous. C'était ma position à moi. Enfin, c'était marrant parce qu'on voyait à la fois des médias populaires type TF1 qui ont titré sur un réseau pédophile arrêté en France, mais quand après on a su plus ce qui s'était passé, ils n'ont pas corrigé. La presse ne va jamais comprendre ce qu'est Internet. Par fainéantise, par peur, par corporatisme, on mélange tout ça. On paye encore aujourd'hui ce malentendu, c'est-à-dire Internet, c'est les pédonazis, Internet, c'est forcément le mal, c'est forcément de la connerie, c'est forcément des chats qui font du skateboard en vidéo, ou des bébés qui rient pendant 3 minutes, ou c'est des... Mais non! Non. En 1999, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, dirigé à l'époque par Hervé Bourges, va même organiser le premier sommet mondial des régulateurs consacré à Internet. Parce que bon sang, il faut bien faire quelque chose pour contrôler ce réseau. Nous avons dit, bien évidemment, il n'est aucunement question de censurer Internet, ni même d'essayer d'empêcher le développement d'Internet, au contraire, mais de le réguler. Ben, Internet peut dire n'importe quoi. N'importe quoi sur n'importe qui, et on le sait bien aujourd'hui. On peut dire que vous êtes un salopard qui avait tué votre femme ou qui avait couché avec votre fille, hein, et vous avez beau pour protester, c'est passé, c'est parti. Hein. Alors à ce moment-là, vous avez la justice qui peut intervenir si vous portez plainte, mais combien de temps faudra-t-il et votre image est abîmée à tout jamais. Alors c'est ça tout de même qui doit se poser. Il y a une autorégulation de la parole et des propos qui s'est mis en place sur Internet. Et ce phénomène d'autorégulation, et ça maintenant on a de bonnes études qui le montrent, il ne va pas valoriser des discours qui seraient des discours où les faits seraient absolument faux, conspirationnistes, racistes, dangereux, etc. C'est que ce travail collectif des internautes, il se fait de façon souvent heurtée, violente, hein, on connaît les discussions enflammées sur Internet, mais si quelqu'un dit n'importe quoi, et que c'est complètement faux, il ne va pas voir son discours reproduit partout, sauf pour dire qu'il a tort. Hein. Et donc il y a une capacité collective de vérification, de validation, à la fois factuelle et normative, qu'opèrent les internautes entre eux. Mais certains, politiques, industriels ou personnes publiques, ne sont pas convaincus. Il faut trouver qui a la clé de cet Internet. Si ce ne sont pas les fournisseurs d'accès, ce sont donc leurs frères, les hébergeurs, ceux qui permettent aux internautes de créer sites web, pages perso et donc de s'exprimer. Tout d'un coup, il y a une dépêche AFP qui sort. Estelle Hallyday attaque un hébergeur Internet qui diffuse des photos d'elle dénudée qui avaient déjà été publiées dans un journal. Un hébergeur, c'est quoi? Internet, c'est quoi? Dénudé, du sexe, du stup! C'était parti. Valentin Lacambre, internaute libertaire, ne s'attendait vraiment pas à devenir un jour l'objet de la colère d'un mannequin célèbre. Une colère qui pourrait bien lui coûter très cher.
Valentin Lacambre est hébergeur. Cela signifie qu'il accueille dans la mémoire de son ordinateur toutes sortes de pages web qui l'aident gratuitement à accéder à l'Internet. Il se rémunère en vendant parallèlement des services informatiques. Il est loin de rouler sur l'or. En première instance, j'ai été condamné de manière assez légère. Mais pour le principe, parce que j'avais été condamné et que je voyais d'autres procès profilés, donc j'ai fait appel. Et là, j'aurais pas dû, parce qu'en appel, je suis tombé sur Marie-Françoise Marais, qui est juge, qui m'a aligné, mais d'une force. Et donc elle m'a condamné à payer 300 000 francs. On avait dit, nous allons lancer en fait une espèce de pavé dans la mare en disant, on ne veut pas savoir si c'est un espace de liberté ou pas. Il y a une atteinte à la vie privée puisqu'on retrouve une photo. On fait abstraction de la technique extérieure et par voie de conséquence, on intervient, on interdit et on octroie des dommages et intérêts. Je ne sais plus ce qu'on avait octroyé comme dommages et intérêts à Estelle Hallyday pour atteinte à sa vie privée. Là, je devais payer. J'étais vraiment à la rue, quoi. Je suis parti de mon appart un peu à la cloche de bois parce que j'avais pas de quoi payer. Enfin, l'ambiance, elle n'était pas terrible. La justice choisit donc de faire pression sur l'hébergeur plutôt que de s'adresser directement au citoyen qui a mis en ligne les contenus incriminés. Logique et astucieux. On solutionne le problème en supprimant l'intermédiaire. On m'a fait porter la responsabilité des 47 000 sites qui sont hébergés sur mes serveurs. En conséquence, ne pouvant assumer cette responsabilité, j'ai qu'une seule solution à ma disposition, c'est de fermer l'intégralité des contenus. Ça veut dire plusieurs centaines, plusieurs milliers de petites entreprises, d'associations, de services d'information qui aujourd'hui n'existent plus parce que je suis incapable d'assumer la responsabilité de contenus qui seraient délictueux. Mais ça ne marche pas à chaque fois. Rafi Aladjian, lui, s'en est mieux tiré. Tant qu'un juge n'a pas décidé que ce contenu est illégal, il n'appartient pas à des gens qui ne sont rien, c'est-à-dire un fournisseur d'accès, de décider. Et en tout état de cause, le jugement de non-lieu qui a été rendu en ma faveur dans cette histoire de pédophilie a considéré qu'il était anticonstitutionnel qu'une entité privée comme un fournisseur d'accès ait un droit de jugement a priori sur les contenus qui peuvent être vus ou pas vus par les choses. Donc non seulement on ne pouvait pas le faire, mais c'était anticonstitutionnel. Qui sommes-nous pour décider, pour appliquer de la censure, décider de ce que les gens doivent voir ou pas voir? Donc dès lors qu'une autorité a décidé que ce contenu est interdit, nous le signalons et nous enjoint de l'enlever. On est à l'obligation de l'enlever, mais on n'a pas autorité pour décider de ce qui doit être enlevé ou pas. Il faut quand même se rappeler, et je pense que c'est unique dans l'histoire des États de droit modernes, que les premières décisions qui ont été rendues par des juridictions, que ce soit aux États-Unis ou en France, sur Internet, et c'était dans les années 90, c'était l'année 1996, la première décision rendue, c'est pas un tribunal d'instance, un tribunal de commerce ou un tribunal de grande instance locale, c'est le Conseil constitutionnel, donc la plus haute des juridictions, avant même qu'aucun juge en France n'ait à connaître Internet, qui va censurer un amendement qui était présenté par le ministre chargé des télécommunications en 1993, qui s'appelait François Fillon. Et dans le cadre de la loi de libéralisation du secteur des télécoms, ils avaient voté un peu, on va dire, à la hussarde, en pleine nuit, un amendement qui responsabilisait très fortement les intermédiaires techniques. C'était déjà dans l'idée de contrôler le truc par des intermédiaires techniques. Et aux États-Unis, Bill Clinton fait voter le Decency Act et la Cour suprême va annuler les dispositions relatives à Internet. Et c'est des fait unique, encore une fois, dans l'histoire des États de droit, c'est les plus hautes juridictions qui se prononcent et qui protègent Internet, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est quand même unique. Internet a besoin d'être un endroit dédié à la liberté et non au contrôle. Donc moi, j'aimerais bien voir les gouvernements s'intéresser à Internet, mais d'une manière intelligente.
En ce moment, les gouvernements s'intéressent à Internet, mais pas de la bonne façon. Je crois qu'il y a beaucoup de pression pour le contrôler. Et on a des législateurs qui ne comprennent pas comment il fonctionne, ni quels sont les effets de leurs actions quand ils essayent de le réguler d'une façon beaucoup trop lourde et restrictive. Et je pense que ça sera un problème majeur dans les 5 à 10 années à venir. Seems almost a message coming from space. Pâté du foie gras. Captain, our computer is picking up a strange signal. Here, sir, you better take a look at it. Thanks. It's impossible. The computer's got to be wrong. Avec ces notions de régulation, de contrôle ou de liberté, vient la question de la neutralité d'Internet. Le principe est simple. Pour que le net soit neutre, rien ni personne ne doit modifier les contenus qui circulent dans les tuyaux. Oh, come on, relax. I agree that those are not normal signals, but I also think the computer isn't functioning right, that's all. So stay calm. I really think that computer in there... It's just got to be drunk. La neutralité d'Internet, c'est un petit peu le concept de se dire où qu'on se trouve en fait sur le réseau, on voit Internet de la même manière, on accède aux mêmes choses. C'est ce qui fait que Internet est Internet, c'est-à-dire une espèce de grosse base de données mondiale avec laquelle on peut discuter avec tout le monde, et surtout de se dire que l'intelligence n'est pas concentrée à un endroit du réseau, c'est-à-dire chez Orange, chez Numericab, chez Intel ou chez Intel, mais l'intelligence en fait vient des extrémités du réseau, donc des utilisateurs. La neutralité des réseaux est la pierre angulaire de la liberté d'expression sur Internet. Il n'y a pas de liberté d'expression possible s'il n'y a pas de neutralité des réseaux. Sinon, tu ne sais pas ce que tu regardes. En fait, sinon, tu es dans Matrix. Tu es dans la matrice, on te présente des choses dont tu ne sais pas si elles sont vraies, dont tu ne sais pas si les textes sont bien ceux que les auteurs ont écrits, etc. C'est-à-dire, on te présente tel article, on te dit que tel homme politique a dit ça, qu'est-ce que tu en sais? Il faut que tu aies confiance. Et il faut que tu aies confiance, pas que dans le journaliste qui rédige l'article disant « machin a dit que Bidule était un con ». Il faut que tu aies confiance dans le réseau qui a transporté l'article pour ne pas l'avoir réécrit à la volée. Et il faut que tu aies confiance dans la tablette qui t'a présenté l'article pour ne pas l'avoir réécrit à la volée. On n'est pas du tout habitué à un système dans lequel la prise de parole publique est aussi facile et libre. On a habitude quand même d'un certain contrôle. On est quand même un vieux pays catholique, on aime les hiérarchies, on aime les intermédiaires entre Dieu et nous. Et Internet, c'est quand même, d'une certaine manière, être en direct avec Dieu. Donc, les intermédiaires résistent. Dong 28八岁翻译官，知不知道？花屋小三郎25岁日本人，刚来中国没啥过人，走饭的，别杀我，对呗？对呗？差不多，差不多。那走，该做啥做啥吧。先别动手，我还有好多事情要交代。 La quête infinie se poursuit donc. Mais qui contrôle Internet? Les procédures, les lois s'enchaînent et la question reste. Ce ne sont ni les fournisseurs d'accès, ni les hébergeurs, très bien. Alors ce sont les internautes. Voilà une nouvelle cible à contrôler pour assainir le réseau. Aujourd'hui, on a condamné, en septembre 2012, un artisan sur le fondement de la DEPI. C'est la première condamnation à une contravention de quelques centaines d'euros parce que son épouse avait téléchargé Rude Boy de Rihanna
qu'elle ne savait pas faire fonctionner un logiciel peer-to-peer et qu'il a été flashé 1500 fois parce qu'il a été partagé, mais j'ai presque envie de dire à son corps défendant. C'est la même logique, c'est-à-dire sanctionner, responsabiliser, alors qu'on sait que les gens ne sont pas, je dirais, ceux qui personnellement ont pris part à la problématique qui est posée. Adopi, en fait, a normalisé, quelque part, la surveillance des internautes par une société privée, pour des raisons qui sont des raisons, mais totalement infondées, qui sont des raisons de copyright. Les premiers copyrights datent de 1557. C'était en Angleterre, et le but était de supprimer toute dissidence politique. La reine avait alors accordé le monopole de l'impression à l'imprimerie londonienne. Et en échange, elle pouvait censurer tout ce qui sortait de ses presses. Ça remonte à cette époque. Nous avons eu cette culture fermée où une petite élite privilégiée pouvait décider quelle culture et quel savoir serait délivré au peuple. Mais Internet a changé tout cela. Internet a donné une voix à chacun. Pour la première fois dans l'histoire, une petite fille de 9 ans au Paraguay qui vient d'avoir son premier ordinateur portable peut aller sur Wikipédia et ajouter du savoir au savoir commun de l'humanité. Ça n'est jamais arrivé avant. Il y a vraiment un domaine dans lequel la France a pu être en avance, c'est la répression en matière de droits d'auteur. Et dès que Sarkozy a été élu, John Kennedy, le président de l'IFPI, donc l'organisation mondiale de lobbying des producteurs de disques, a dit avec Sarkozy, on tient notre champion, lui défendra nos idées. Et donc une fois entré en vigueur, l'ADOPI a pu envoyer Marie-Françoise Marais, la présidente de la commission de répression, aux quatre coins du monde, aux frais de la princesse, pour aller participer dans tous les raouts de l'industrie pour dire « Regardez, en France, ça marche », sortir des chiffres bidons de son chapeau et comme ça, vendre le modèle français à l'international. Ça, elle continue aujourd'hui. C'est pas un petit changement technique, c'est véritablement une révolution, parce que je pense véritablement que nous sommes à un changement de civilisation. Il va y avoir des modèles qui vont apparaître, mais il s'agit pas de faire la course avec le gourdin. Arrêtez de m'appeler la mère fouettarde du net. Non, je ne suis pas la mère fouettarde du net. Sûrement pas. Que l'échange de fichiers se fasse, je pense que c'est une possibilité, mais qu'elle se fasse d'une façon qui préserve tout ce qui est droit d'auteur, droit de tous les internautes, pas des internautes, de tous ceux qui participent à l'industrie. Je pense que là, il y a un véritable problème. Est-ce qu'on rémunère une rente ou est-ce qu'on rémunère un travail ? C'est un truc de fond. Là, chercher le vaccin contre le sida quand il y a 200 malades connus dans le monde, ça sert à rien. Par contre, quand il commence à y avoir quelques millions de malades un peu partout et des morts, niveau pépette, c'est mieux. Donc ça, c'est un modèle où tu rémunères la rente. Et donc, il faut créer des rentes si tu veux créer de la rémunération. Puis tu as un autre modèle qui est de dire on rémunère le travail. C'est-à-dire que la société, par un biais ou par un autre, que ce soit l'économie de marché ou que ce soit une autre forme d'économie, dit « je souhaite que tel travail soit fait, et donc je vais rémunérer les gens pour le faire ». C'est un modèle qui est assez classique en France, hein. C'est ce qui fait de nous un pays soviétique aux yeux de beaucoup, mais on a une recherche publique qui est très développée. C'est le modèle du CNRS, hein. C'est le modèle normal du CNRS. On paye les chercheurs à chercher. Et le gars qui trouve, il ne gagne pas des millions, il a juste fait son travail de chercheur, pendant lequel il a été payé, une paye de chercheur honorable, et puis c'est tout. Et c'est ce choix-là qui est entre autres caché derrière ce que font les ayatollahs du copyright. C'est un monde du revenu de la rente contre un monde de revenu du travail. Et c'est un choix de société très profond. Si ne pas réguler, c'est laisser le marché réguler, moi ça ne va pas. Non. Parce que c'est une forme fallacieuse de réguler les choses. Moi je suis pour l'éducation, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que apprendre les pratiques, transmettre des pratiques, je trouve ça beaucoup plus fort que d'interdire. Voilà. Et il se trouve que la vie m'a amené à côtoyer des univers comme celui de la musique, celui du cinéma, etc., où on a bien vu
que ce sont des industries anciennes, lourdes, qui n'ont absolument pas compris ce qui se passait et qui ont essayé d'interdire et qui ont perdu. L'interdit ne sera jamais, porteur d'intelligence. Jamais. Il y a des gens qui essayent de contrôler l'accès à la culture du XXe siècle. Il y aura des gens qui voudront contrôler la culture du XIXe siècle. Et partout, il y a des gens qui pensent que quand on prend un bouquin de physique et qu'on fait une copie pour quelqu'un qui est trop pauvre pour se l'acheter, c'est potentiellement criminel. On criminalise la lecture de la même manière qu'on criminalise le fait d'être pauvre. Ça me fait penser à Victor Hugo qui a dit « Par la volonté de Sa Majesté, il est interdit aux riches comme aux pauvres de dormir sous les ponts. » Et de la même façon, nous interdisons aux riches comme aux pauvres d'apprendre gratuitement, ce qui ne pénalise pas du tout les riches, mais écrase les pauvres. Eh bien, si on pouvait mettre un terme aux lois diaboliques, comme la loi Hadopi, nous aurions alors un Internet qui respecterait les droits de l'homme. Internet perturbe les entreprises, des commerçants aux médias et tout type d'industrie. Mais Internet perturbe aussi les gouvernements, parce qu'il permet aux gens de créer une nouvelle forme de société, sans frontières ni limites. Et ça, ça remet en cause l'autorité de ces gouvernements. Donc, ces gouvernements et les entreprises qui restent sur de vieux modèles se regroupent parfois pour essayer de restreindre Internet et lutter contre ces changements. Donc, il faut surveiller, nous répète-t-on, des fois qu'on attrape des pirates. Or, les outils de surveillance du réseau sont multiples. Ce n'est pas que le grand méchant État qui surveille les gentils petits citoyens. C'est bien plus complexe, car nous tous, dans notre frénésie de partage et d'échange, nous créons un peu plus chaque jour cette société de surveillance. Timo Tuts est estonien. Il a bêtement construit une machine qui, en scannant notre pièce d'identité, retrouve et affiche toutes les infos que nous avons laissées en ligne, de notre plein gré. Ça a été assez effrayant pour moi de voir que les gens aimaient vraiment cette machine. Pour moi, il y avait de bonnes raisons de la rendre effrayante, mais pourtant les gens sont vraiment excités à l'idée de pouvoir voir leurs données. Mais ça arrive aussi tous les jours sur Facebook, partout dans le monde. Les gens partagent leur vie et ils adorent ça. Aucun dictateur n'aurait osé rêver un outil aussi puissant pour surveiller toute une population. Le grand risque d'Internet, ce ne sont peut-être pas ces pirates qui partagent, mais plutôt ces entreprises qui stockent les données qu'on leur cède volontairement chaque jour. Facebook est la version postmoderne de la Stasi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si on regarde le nombre d'informateurs, la Stasi avait infiltré un peu plus de 10% de la population en Allemagne de l'Est. Facebook, dans certains pays comme l'Islande, atteint près de 88% de la population. Les informations que les utilisateurs mettent sur Facebook à propos de leurs amis, de ce qu'ils font, sont déposées bien plus régulièrement que ne pouvaient le faire les agents de la Stasi quand ils rapportaient des informations à leurs supérieurs. À partir d'une carte de crédit Visa, il est possible de prévoir un divorce un an avant que vous ne le sachiez vous-même, et cela uniquement en regardant vos habitudes d'achat. Alors imaginez ce que Google ou Facebook peuvent savoir sur vous. Si on vous diagnostique une maladie grave, la première personne à le savoir, ce n'est ni vos parents, ni vos amis proches, ni vos enfants, votre mari ou votre femme, c'est Google. Nous avons construit le net de façon à ce que toute utilisation qui en est faite puisse être surveillée, d'une façon où chaque serveur web stocke l'information de qui accède à quoi. Et si ce serveur est celui de Facebook et si 800 millions de personnes l'utilisent pour communiquer, alors il y a un homme qui a le droit de savoir ce que tout le monde regarde et fait. Et ce type sera alors sous pression pour vendre ou donner au gouvernement et aux maléfiques de la Terre les informations cruciales de ce que tout le monde fait.
réseaux sociaux vivent sur le fil rouge de la confiance, en essayant d'aller le plus loin possible en termes d'utilisation des données personnelles. Et c'est ce que disait aussi le patron de Google, Eric Schmidt, qui disait « Nous sommes juste à côté de la ligne jaune, nous essayons de ne pas la dépasser ». Je ne sais pas si ce propos dit par une société comme Google n'est pas le plus inquiétant qui puisse se faire dans ce domaine. Avoir un accès libre à Internet ne veut donc pas forcément dire être libre. En 2012, l'Azerbaïdjan, pays classé 162e sur 179 sur la liberté de la presse, accueille le Forum sur la gouvernance de l'Internet des Nations Unies, histoire de planter l'arbre qui cache la forêt. Des centaines de défenseurs de la liberté d'expression se retrouvent donc à Bakou, la capitale. Cela même que Nicolas Sarkozy, dans son IG8 de businessman, avait mis de côté. On n'est pas un paradoxe près. Protection of human liberties is one of the vital activities of the modern internet network. Pourtant, dans ce même pays, se déguiser en âne, comme ce blogueur, Emin Mili, et mettre en ligne une vidéo où l'on se moque du gouvernement lorsqu'il investit dans un grand cheptel d'âne, c'est risqué. Après l'avoir fait, Emin a été tabassé par deux gros bras qui l'ont évidemment accusé d'avoir frappé le premier. Il passera donc près d'un an et demi en prison pour hooliganisme. Frais, léger, courtois. Internet n'est pas libre en Azerbaïdjan. Bien sûr, on est libre d'utiliser Internet techniquement. Je peux, là, aller écrire n'importe quoi sur Facebook ou Twitter, mais ça ne veut pas dire que quand je vais quitter ma maison, je vais être libre. Je vais marcher dans la rue comme si de rien n'était. Je peux être attaqué, remis en prison, et il ne s'agit pas que de moi. Il y a plein de gens à qui c'est arrivé. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce gouvernement annonce aujourd'hui, regardez, on a plus de 60% de pénétration Internet. Il y a 900 000 personnes sur 9 millions qui sont sur Facebook en Azerbaïdjan. Et ils disent, regardez, ça grandit vite, on est un pays libre. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas mesurer la liberté d'un pays en mesurant son accès technique à Internet. Autre exemple, toujours en Azerbaïdjan, Khadija Ismailova, journaliste pour une radio interdite sur la bande FM, mais diffusée sur Internet. Alors qu'elle enquête sur une affaire de corruption qui touche la famille du président, elle reçoit une lettre. Dedans, une photo d'elle faisant l'amour avec son compagnon. En fait, trois caméras avaient été installées dans son appartement, jusque dans sa salle de bain. Et cette lettre était une menace pour qu'elle stoppe son enquête. Elle a continué, la sextape a été mise en ligne. Et plutôt que de demander à censurer le site qui hébergeait la vidéo, Khadija a choisi de sacrifier sa vie privée au nom de la défense des libertés. Il ne s'attendait pas du tout à ma réaction. Je n'ai pas fait marche arrière. J'ai dit que je n'avais pas honte de ce qu'il s'était passé, de ce que j'avais fait. J'ai dit que ceux qui devaient avoir honte étaient ceux qui volent l'argent du peuple, qui détournent les opportunités du peuple pour enrichir leur propre famille. J'ai fait une déclaration publique sur Facebook et ensuite, les médias l'ont reprise. L'enquête fut ouverte et mes amis et ma famille m'ont dit de demander aux enquêteurs, au gouvernement ou au ministre de la communication de bloquer en Azerbaïdjan le site web qui hébergeait la vidéo afin que ma vie ne soit pas en danger. J'ai décidé de ne pas le faire parce que notre gouvernement attend la moindre occasion pour légitimer la censure de sites web. Si moi, je demande de bloquer ce site web, ça leur servira d'excuse pour le faire à nouveau plus tard. Donc, je n'ai pas fait cette demande. Aujourd'hui, si les tentations de censure ou de surveillance du réseau sont de plus en plus grandes, c'est peut-être aussi une bête question de finances. L'appât du low cost, jusque dans la surveillance. Il y a quelques années, acheter une antenne radar pour espionner un satellite de communication, c'était pas donné.
est réservée aux grandes nations industrialisées. Mais cette époque est révolue. Dans un monde où toutes les communications ou presque sont numérisées, les coûts chutent, la tentation grimpe et le business de la surveillance devient rentable. Tout le monde parle de cyberguerre et personne ne parle de cyberpaix. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'il y a tout un tas de lobbies richissimes impliqués dans ces opérations de cyberguerre. Et toutes ces entreprises essayent de terroriser le Congrès américain, entre autres, pour qu'ils financent ces programmes et ainsi obtenir leur part du gâteau. Je suis au Parlement européen depuis 2009, date à laquelle il y avait aussi des élections en Iran. À l'époque, de nombreux Iraniens mettaient en ligne des vidéos pour montrer que des milliers d'hommes et de femmes manifestaient dans les rues pour demander « Où est mon vote ?». J'étais en contact avec de nombreux activistes. Et plus je leur parlais, plus ils m'expliquaient qu'ils étaient trouvés, tracés, traqués et emprisonnés à l'aide de technologies répressives. Et je me suis dit qu'il fallait enquêter. En creusant, j'ai découvert que ces technologies n'étaient pas utilisées qu'en Iran, mais également en Égypte, en Tunisie, en Syrie ou au Bahreïn, et dans beaucoup d'autres pays où la répression est systématique, mais où des entreprises européennes ont été en mesure d'exporter ce que j'appelle des armes numériques. Il est grand temps que nous mettions un frein à ces exportations et que ces entreprises se comportent de manière plus transparente et responsable. Il y a un énorme marché avec plus d'un millier d'entreprises commercialisant des technologies de surveillance massive. Une compagnie sud-africaine vend par exemple un kit pour 10 millions de dollars par an qui permet d'enregistrer en permanence toutes les communications téléphoniques d'un pays de taille moyenne. C'est ce que William Binney, un ancien directeur de la NSA, a qualifié de totalitarisme clé en main. Le moteur, les roues et le châssis ont été construits. La clé est sur le démarreur et il ne reste plus qu'à mettre le contact. En vérité, le contact a déjà été mis pour certaines populations, les musulmans par exemple, de manière générale aux États-Unis. Nous avons là tous les ingrédients essentiels à une nouvelle dystopie transnationale et totalitaire. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Je ne crois pas à la Realpolitik qui fait renoncer à ses valeurs sans gagner des contrats. Eh bien justement, à propos de contrats, la France en a gagné un beau avec le colonel Kadhafi. La livraison de toute une infrastructure permettant de surveiller l'ensemble de l'internet libyen. Pratique pour un dictateur. Mais ça, bien sûr, c'était bien avant la victorieuse opération tricolore lancée pour libérer le pays. Vive l'amitié entre la France et la Libye. Quand la situation a commencé à dégénérer un petit peu en Libye, il nous est remonté en fait une information comme quoi la France avait vendu un système de surveillance globale de toute la population à Abdallah Senoussi, qui était une personne qui était activement recherchée par la Cour pénale internationale, qui a été condamnée par contumace en France pour des actes de terrorisme quand même. On a commencé donc à gratter un petit peu et on est tombé assez rapidement en fait sur une entreprise qui s'appelle Amesis, qui a été effectivement mise en cause directement ensuite par le Wall Street Journal, qui a découvert vraiment les infrastructures, les installations d'Amesis en Libye, dans une prison qui avait été désaffectée et qui avait été réhabilitée en fait pour devenir un centre d'écoute. C'est légal ou c'est pas légal ? Quand c'est pas légal, on vend pas. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'il y avait des vies humaines qui étaient menacées ? 2003, levée de l'embargo. 2007, il serre la main des plus grands. D'accord ? Et vous venez en 2011 ? D'accord ? Me demander si j'ai su poser une question de savoir si ça allait servir à traquer des opposants, d'accord, dans son pays. Mais comment vous voulez que je réponde à cette question ? Moi, personnellement, quand je vous vends un stylo, d'accord, ou quand vous faites effectivement une interview, enfin le stylo, d'accord, ce que vous écrivez, le responsable, c'est pas le vendeur du stylo. Comment on peut, mais sans trembler des genoux, dire qu'on vient de vendre un stylo à un pays qui
enfin, qui était en pleine révolution, à qui on a aidé en fait un dictateur notoire et même un terroriste en la personne de Dallas Senussi, dire sans prendre les genoux, ok, je te file un silo, moi je vends un silo, quoi. Il faut être vraiment gonflé en fait pour comparer ce qui a été vendu à la Libye à un silo. Il n'y a pas qu'Amesis qui vend ce genre d'outils. Amesis s'est fait une spécialité, par contre, de l'interception légale et de l'interception massive à l'échelle d'une nation. Maintenant, la technologie elle-même est d'origine française. C'est quelque chose qui est né au laboratoire de l'IPSIS, qui a donné naissance d'ailleurs à une entreprise sur laquelle on tombe assez régulièrement quand on fait des recherches sur les pays dans lesquels on soupçonne que ces technologies sont utilisées, qui est une entreprise qui s'appelle Cosmos. On a beau nous assurer que Cosmos ne vend pas de systèmes de surveillance et tout, on a énormément d'éléments qui nous prouvent le contraire. Faut savoir que cette entreprise Cosmos a été prise la main dans le sac en train de vendre un système de surveillance à travers un consortium italien à Bachar el-Assad. Et elle n'a pas fait ça il y a 10 ans, elle n'a pas fait ça il y a 5 ans. Elle était en train de s'apprêter à le vendre il y a à peine quelques mois. Depuis, Cosmos a annoncé qu'elle se retirait du projet syrien, tout en précisant être restée en parfaite conformité avec l'ensemble des législations en vigueur. Une position également défendue par Amesis. Après tout, c'est vrai, aujourd'hui, aucune loi n'interdit à une entreprise occidentale de vendre des armes de surveillance à un dictateur. Traditionnellement, les pays démocratiques établissent une liste des armes qu'ils ne peuvent pas vendre sans autorisation, et une autre des pays à qui ils ne peuvent pas vendre ces armes. Les technologies de surveillance et de contrôle de l'Internet ne sont pas dans cette liste. Ce ne sont pas des technologies interdites. Si on est sérieux quand on veut promouvoir la démocratie, on ne doit pas vendre ces technologies aux pays qui vont en abuser. Et en plus de ça, on ne doit pas être un mauvais exemple. Nous ne pouvons pas ignorer les besoins de sécurité. C'est important. Mais on ne peut pas ignorer l'équilibre qu'il faut avoir avec les libertés civiles non plus. Et c'est de cet équilibre dont nous parlons. On doit juste être assez courageux pour faire face à ce challenge. Démontrer pourquoi on a vraiment besoin d'une mesure comme celle de la surveillance, mais également rester critique afin de préserver cet équilibre à tous les niveaux. Ça m'énerve à chaque fois que j'entends l'expression « interception légale », qui est le terme officiel utilisé pour décrire la mise sur écoute. Parce que la notion même d'interception légale implique que c'est OK, que c'est bien, parce qu'elle respecte la loi. Mais c'est une connerie. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est juste ou moralement justifiable. Et l'histoire a toujours été très dure avec ceux qui ont choisi de suivre la loi quand la loi était mauvaise. Je pense que la loi est mauvaise, et c'est pour cela que je suis entré en politique, afin de changer tout cela. La vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding, a dit il y a quelques années devant le Parlement européen que nous avions sacrifié nos libertés depuis trop longtemps sur l'autel de la sécurité, et qu'il était temps de rendre justice à nos libertés. Maintenant que le temps a passé, que la nervosité générale du 11 septembre et de ce qui a suivi a disparu, on devrait peut-être se demander, avons-nous vraiment besoin de ça? Parce que c'est pire que d'être sur une pente glissante. La plus grande bataille porte sur les libertés individuelles, afin de défaire certaines choses. À commencer par le fait que mon téléphone portable puisse être tracé par le gouvernement. C'était impensable au milieu des années 80. Comment en sommes-nous arrivés là? Et comment revenir en arrière? Les technologies ne sont pas plus un outil de libération qu'elles ne sont un outil d'asservissement. La vision un peu angélique de John Perry Barlow sur un monde libéré des États et qui irait vers un mieux-être global parce qu'il utiliserait les technologies, est une vision qui doit être sérieusement teintée, non pas de pessimisme, mais de pragmatisme. Les technologies seront ce que nous en ferons. The calculator is helping to define society's most complicated problems. It is a tool for turning inspiration into fruitful prediction.
As an information machine, it has done much to broaden the base of our growing concepts. But the real miracle is the promise that there will also be room for those smallest details that have been the basis for man's most rewarding wishes. This is a story of a technique in the service of mankind. En fait, ce que je crois, c'est qu'on est dans une période encore de transition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus 1789, mais qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. On remet le roi, on appelle Bonaparte, on est tous des Robespierre, qu'est-ce qu'on fait ? On sait que ça va mal tourner. Mais ce qu'il faut, c'est repousser le plus possible le moment où ça a mal tourné. Et puis surtout, si ça tourne mal, ça tourne mal pour tout le monde. Certains choisissent donc d'agir. Et ils le font avec cette sacrée habitude qu'offre Internet, sans demander la permission. Comme le collectif international Telecomix qui, en Syrie, a aidé les internautes à contourner la surveillance du régime. On peut les appeler hackers, mais ce sont avant tout des gens connectés à d'autres grâce à un réseau et qui cherchent à s'entraider. En Syrie, le réseau est totalement surveillé par le gouvernement. Des gens ont été arrêtés chez eux en raison d'activités sur le net, et ça doit toujours être le cas. Des gens ont dû mourir parce qu'ils avaient mis je ne sais quoi sur Facebook. Et nous, nous avons mis à disposition des infrastructures permettant de mettre en ligne des choses en contournant la surveillance. Cela peut paraître prétentieux, mais nous étions à ce moment-là les seuls à pouvoir le faire. Une ONG ne peut pas intervenir comme nous l'avons fait. Nous avons attaqué les décisions d'un État souverain. En d'autres circonstances, cela serait considéré comme une déclaration de guerre. Nous, Telecomix, avons décidé qu'il était important pour les gens de pouvoir mettre en ligne des informations et nous avons décidé de contourner les décisions d'un État par tous les moyens. Un État ne peut pas le faire, un service secret non plus. Mais nous, nous l'avons fait. Je ne sais pas encore si c'était bien, j'y réfléchis toujours. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était la bonne décision à prendre. Mohamed avait tout juste 20 ans. Il était étudiant, il avait des frères et sœurs. Je connais toute son histoire, il me l'a raconté. J'avais organisé des interviews avec un journal allemand. Lorsqu'on a voulu faire la troisième interview, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé à des gens où il était. Et nous avons obtenu, tout à fait par hasard, une vidéo sur laquelle on voyait Mohamed être battu à mort dans une cellule. Il avait tout juste 20 ans, rêvait d'un monde libre, d'un pays libre. Et parce qu'il voulait exprimer librement ses rêves, il a été tué. Dear peoples of the Middle East and North Africa, this is Telecomix. We have a short message for you. Recently there have been massive uprisings in many countries, from Tunisia to Egypt. We are very happy to see the success of your struggles for democracy and freedom. We are also sad to see the violence that happens.
Telecomex works for defending free communications. During the last week, we have worked intensively with providing modem lines and amateur radio communications when the internet was shut down completely in Egypt. We also provide methods for circumventing internet filtering, as well as the strongest cryptographic softwares available to modern computers, for avoiding government surveillance and repression. Telecomex consists of hundreds, maybe thousands, of internet activists that work in the service of free communication. We use every communication technology that we master to try to keep the flow of information up. You are free to request anything from us. We do our best. We are from the internet. We come in peace. Let there be freedom for all people and computers. The question is, I think. La question est, est-ce que les hackers peuvent individuellement changer le monde? Peut-être à certains niveaux, sur quelques détails. Peuvent-ils changer le monde ensemble, en tant que collectif? Sans doute pas tant que ça. Ils ne travaillent pas si souvent de manière collective. Maintenant, est-ce qu'en s'associant avec d'autres gens, ils peuvent faire quelque chose? Là, la réponse est oui. Il y a une phrase très belle que j'aime beaucoup de Ben Schneiderman qui disait « Il n'est plus temps d'apprendre à nos enfants à surfer, il est temps de leur apprendre à créer des vagues. » Je crois que le citoyen doit créer la vague. Je pense que l'on est en train de vivre un profond changement de société. Et cela change si vite que nous n'avons pas le temps de comprendre ce qui arrive. Nous ne savons pas comment réagir. On va avoir besoin d'une génération de personnes qui est née avec Internet, qui a grandi avec Internet, qui comprend vraiment ce que les législateurs actuels ne saisissent absolument pas. On a besoin que ce soit elles qui soient au pouvoir. Et là, on commencera à avoir un vrai changement. Le parti pirate est une vague, née du réseau. Grâce à lui, il a même fini par atteindre les plages du Parlement européen. J'ai mis en ligne un site vraiment moche qui disait « Vous savez les gars, je pense qu'on peut réunir 225 000 voix. Et si on y arrive, on sera au Parlement. Voilà notre projet, voilà comment on va le faire, je pense qu'on peut le faire. » 3 ans et demi plus tard, aux élections européennes de 2009, on a obtenu 225 915 voix, ce qui nous a propulsés au Parlement européen. Quand Nicolas Sarkozy s'est fait élire et qu'on a lu en filigrane de son programme le délire sécuritaire d'Internet, on s'est dit qu'il fallait se mettre en ordre de bataille, qu'il fallait inventer quelque chose. C'est là qu'on a créé la quadrature du net et on s'est dit, eh bien, on va hacker la politique. Ils sont légion, les exemples d'initiatives citoyennes qui émergent du réseau. Tout comme le parti pirate, la quadrature du net, à l'origine une petite association française, bouscule l'agenda politique jusqu'au Parlement européen. C'est mon côté révolutionnaire épicurien. Le principe est toujours le même, agir sans demander la permission. Et derrière, le même rêve, modifier la société comme on corrige 3 lignes de code. En tant que la quadrature du net, on fabrique tous les jours des outils pour permettre aux citoyens de comprendre les enjeux sur ces dossiers, mais aussi pour leur permettre de participer. On a par exemple développé un truc qui s'appelle le PiPhone, qui permet aux gens d'appeler gratuitement le Parlement européen. Donc nous choisissons la liste des eurodéputés à appeler, donc ceux qui restent à convaincre, ceux qu'il faut bien cibler, etc. Et les gens entrent leur numéro de téléphone, pouf, il y a leur téléphone qui sonne, et ils sont directement mis en contact avec les eurodéputés. C'est un truc qu'on peut faire avec 3 bouts de voix sur IP et 4 morceaux de code et 5 rustines sur Internet. Et l'esprit de bidouille, les rustines, ça fonctionne, même en politique. Les initiateurs du traité ACTA s'en souviennent encore. ACTA, qu'est-ce que c'est? C'est l'accord commercial anti-contrefaçon. C'est un accord international protégeant le droit d'auteur, le copyright et la propriété intellectuelle. Nous ne nous battons pas contre ces valeurs, qui existent déjà, mais contre des aspects de ce traité qui vont à l'encontre des intérêts du peuple et de beaucoup de nos libertés. Liberté, 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 liberté
ACTA, c'était l'accord commercial anti-contrefaçon. C'est un texte négocié en secret, comme un accord commercial que font les pays entre eux, mais qui contenait un nombre de dispositions répressives en matière de copyright et qui allait littéralement transformer les intermédiaires de l'Internet en une police privée du copyright et imposer des mesures répressives absolument inacceptables. Pendant 4 ans, on a fait campagne, on a informé les citoyens pour que les citoyens se saisissent de ce dossier, aillent au contact des élus du Parlement européen. Et le 4 juillet dernier, le Parlement européen a rejeté par 478 voix contre 39, dont 21 UMP français, ce texte qui est une victoire historique. Des quelques mois avant, les gens nous disaient « Non mais c'est complètement impossible. Personne n'a vu venir le raz-de-marée qui a submergé le Parlement autour de l'ACTA, mais tout le monde l'a senti passer. » Eh bien, c'est ça, la force de l'Internet, lorsqu'elle est appliquée à la participation démocratique, à la participation citoyenne. Et c'est ça qui quelque part, est beau et un peu magique, parce que ça ne se contrôle pas, ça ne se commande pas. On ne siffle pas dans un sifflet et vroum, il y a 100 000 personnes alignées avec une seule tête qui dépasse, qui font chef oui chef. Ça ne se passe pas comme ça. C'est complètement spontané, organique. On est surpris nous-mêmes. Il y a une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui n'avaient pas nécessairement vocation à le devenir. Ils font désormais ce boulot de politiciens qui ont grandi sur Internet et avec Internet. Ils savent ce que signifie le terme de transparence, ce que cela signifie de prendre des décisions de manière compréhensible. Ils sont habitués à communiquer de manière réactive, rapide. Ils sont aussi habitués au fait qu'il existe un certain nombre de libertés. Donc la classe politique allemande ne peut désormais plus prétendre ne rien savoir de tout ça. Ce n'est plus possible. Ce qui me préoccupe profondément, c'est ce qu'il va se passer entre maintenant et dans 20 ou 30 ans, quand la génération Internet sera au pouvoir et donnera le ton dans les partis politiques. Parce que nous sommes au bord d'un risque majeur, celui de construire une société de la surveillance, un Big Brother bien pire que ce qu'aucun auteur de science-fiction n'a jamais imaginé. D'ici là, comme le disent certains, il faut continuer à coder. Car ce qu'il y a sous le capot d'Internet, ce qui fait tourner le réseau, c'est le code. Ce code informatique n'est qu'un langage qui permet, entre autres, à nos ordinateurs d'afficher des pages web ou à nos logiciels de faire ce qu'on leur demande. C'est comme un alphabet que les machines interprètent et qui font que les informations peuvent circuler d'un utilisateur à l'autre. Comme tout langage, ce code est essentiel à la communication. Libre à chacun de l'apprendre. Pour quelqu'un qui fait du web, le code est magique. Il faut comprendre le code si on veut pouvoir aller plus loin et surtout si on veut ne pas se laisser enfermer dans une expression qui serait encadrée par les marchands, encadrée par les logiciels, encadrée par les législateurs. C'est pour ça que toute la défense du code, ce qu'on appelle les logiciels libres, est si importante. Avec les ordinateurs, il n'y a que deux possibilités. Soit l'utilisateur contrôle le logiciel, soit le logiciel contrôle l'utilisateur. Si c'est le logiciel qui contrôle les utilisateurs, vers où allons-nous? Eh bien, le propriétaire du logiciel contrôle les utilisateurs qui utilisent ce logiciel. Et ce logiciel devient alors un instrument de pouvoir. Afin que les utilisateurs gardent le contrôle sur le logiciel, ils ont besoin de certaines libertés. Et ce sont ces libertés qui définissent ce qu'est un logiciel libre. Donc, nous avons construit le monde du logiciel libre. C'est un monde où vous pouvez utiliser les logiciels en toute liberté. Ça existe parce que nous l'avons créé. Et maintenant, c'est à vous de vous échapper du monde des logiciels propriétaires pour nous rejoindre dans le monde libre. Écrire du code informatique est une vraie compétence qui demande beaucoup d'efforts. Vous ne pouvez pas apprendre ça en un jour. Mais je pense vraiment que nous avons besoin d'un apprentissage de ce code. Les gens doivent comprendre comment la technologie fonctionne et non voir celle-ci comme une mystérieuse boîte noire. La transparence du code est une prérogative démocratique. Et donc l'intérêt du code libre et ouvert, de l'accès possible par les citoyens à ce code, est évident. Donc le logiciel libre, les mouvements open source, c'est une chose. Mais Ne pas se tromper. Aujourd'hui, le code est accessible qu'à ceux qui savent le manier, c'est-à-dire une extrême minorité.
Et donc, l'un des enjeux pour les temps qui viennent, ce n'est pas non, là encore que l'on puisse accéder au code, mais que les citoyens puissent devenir promoteurs, créateurs du code. Et là, les choses changent. Si vous avez, non pas une techno-élite de 1,5% ou de 1%, mais une capacité pour 10, 15, 20%, voire pourquoi pas un jour 50 ou 60% des citoyens, de créer non pas simplement leur code, mais à terme les services qu'ils devront utiliser. Et pourquoi pas, puisqu'on en parle, les objets qu'ils pourront créer un jour avec des imprimantes 3D, puisque c'est l'évolution évidente vers laquelle nous allons, on voit bien que c'est cette capacité à créer, et non pas simplement à utiliser les réseaux, qui pour moi sera la composante essentielle de la démocratie. Et voilà comment Internet sort de sa boîte. L'esprit des pionniers, ces hippies sous LSD, semble être finalement toujours là. Les vapeurs sont tenaces. Aujourd'hui, des machines, appelées imprimantes 3D, conçues par des hackers, bidouilleurs, makers, ouvrent de nouveaux horizons et poussent le concept encore plus loin. Une imprimante 3D, c'est simplement quelque chose qui va te couler une forme en trois dimensions, avec du plastique en fait, et ça va te créer un objet, donc tu peux te créer des objets avec ça. Ce qui est important en fait quelque part, c'est la réappropriation de process qui sont des process industriels, qui sont très coûteux, et qui aujourd'hui en fait sont démocratisés. Faut savoir qu'un truc comme ça, ça coûte moins de 1000 euros. La grosse machine en fait coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, et c'est quelque chose qui va nous permettre après, bah, nous tout simplement de nous amuser, de jouer. C'est une machine qui, quelque part, moi, qui me vend du rêve, quoi. Je me dis, mais enfin, voilà, la vie réelle peut être comme Internet. On peut hacker des process, on peut hacker des objets et fabriquer des trucs nous-mêmes et devenir propriétaire de notre petit bien commun, qu'il soit matériel ou immatériel, quoi. J'adore l'idée, j'adore le principe, j'adore réfléchir aux impacts que ça peut avoir, c'est-à-dire la capacité de pirater des objets et que ce qui est arrivé à l'industrie de la musique puisse atteindre l'industrie du peigne. Bon, on est au balbutiement, et aujourd'hui c'est très laborieux, très difficile et très cher, mais c'est très très excitant. Au-delà des imprimantes 3D, les hackerspace émanent aussi de la culture du réseau. Ces hangars, studios ou garages remplis d'outils en tout genre sont ouverts à tous, jour et nuit. Mitch Altman, l'un des pionniers des hackerspace, donne même à tout le monde les clés de celui qu'il a ouvert à San Francisco. Dans ces lieux, on invente des solutions pour répondre à des problèmes concrets et ainsi agir sur notre quotidien. Et les applications sont nombreuses. Après le tremblement de terre au Japon et les problèmes sur les réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima, le gouvernement japonais voulait éviter que la population ne panique. Donc ils n'ont pas donné toutes les informations sur les taux de radiation. Alors les hackerspaces de Tokyo ainsi que d'autres dans le monde ont commencé à fabriquer leurs propres compteurs GGR. À Tokyo, ils avaient plutôt de bonnes motivations pour fabriquer des compteurs GGR efficaces. Il y avait pas mal de gens très doués en électronique. Donc, ils ont travaillé ensemble pour fabriquer ces outils de mesure pour des sommes dérisoires. Ils avaient aussi des amis au Crash Space, un hackerspace de Los Angeles. Et ensemble, ils ont créé le projet SafeCast. L'idée est la suivante. Ils ont vendu très peu cher ou même carrément donné ces compteurs GGR. Ces compteurs étant reliés à Internet, ils ont juste créé un système qui enregistre automatiquement les taux de radiation partout où se déplacent les personnes qui en ont. Ainsi, nous pourrons avoir une information fiable sur les niveaux de radiation dans le monde entier. Du LSD aux imprimantes 3D, des labos de recherche au hackerspace, ça fait un sacré bout de chemin. Et pendant tout ce temps, Internet est resté un réseau façonné par celles et ceux qui s'y connectent, c'est-à-dire nous, ses utilisateurs. Et il n'a pas fini de changer. Nous aurions tort de voir l'Internet comme étant une créature immuable. Aujourd'hui, l'Internet est un Internet d'ordinateurs. L'essentiel des données sont issues des utilisateurs et des ordinateurs. Dans les années à venir, l'essentiel des données qui transiteront sur les réseaux seront issues de capteurs, d'objets connectés et plus forcément d'humains. Et l'architecture qui va naître de cet Internet mobile puis de cet Internet des objets pourrait être très différente. Ceci est un vrai défi parce que les tentations techniques
d'organiser l'Internet du futur autour d'acteurs connus, identifiés, et donc à qui on donnerait les clés en termes de pouvoir, cette tentation, elle est énorme. Et donc je crois que pour les années à venir, notre travail, à nous acteurs publics par rapport à ça, sera de rédiger et d'organiser notre action pour éviter cette dérive-là, qui est beaucoup plus inquiétante pour moi que les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui. J'aimerais répandre l'idée que nous avons un droit fondamental qui est celui de l'accès à la connaissance. Tout comme Jefferson a parlé de droit humain inaliénable, il y a un droit humain inaliénable qui est de pouvoir connaître tout ce qui peut être connu et reconnu d'utilité générale. Personne ne s'était donné la peine de déclarer ce droit avant, parce qu'il n'y avait aucun moyen de le transmettre. Mais maintenant, il y en a un. Nous devons nous battre pour ce droit. Nous devons être de bons parents, car si nous gagnons ce droit dans ces temps primitifs, il restera acquis pour toujours. Donc ce qui pourrait arriver de pire, c'est qu'on se dise « Non, non, c'est acquis. » C'est bon, la liberté de diffusion, d'impression est acquise. Non, je crois qu'elle est, un combat de tous les jours et de chacun. J'allume mon ordinateur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'apporte ma pierre à l'édifice ou pas? En sachant que l'édifice, il est bordélique, il est bruyant, il est comme la vie. Ça pourrait sonner comme une fin, ou pas. Aujourd'hui, près de 200 cyberdissidents sont incarcérés parce qu'ils ont osé s'exprimer sur les réseaux. Réseaux surveillés grâce à des systèmes conçus dans nos démocraties et vendus par des marchands d'armes occidentaux. Une attaque en règle de la liberté d'expression. Dans nos démocraties, justement, les contenus circulant sur le net sont de plus en plus contrôlés, censurés. Nos ordinateurs, tablettes, téléphones et fichiers sont truffés de mouchards. Cette fois-ci, c'est le droit pour chacun de lire qui est menacé. Donc, cette contre-histoire de l'Internet, de l'accès à l'information, à l'expression et au savoir, est loin d'être finie. Ce film n'est qu'un chapitre. À vous d'écrire la suite. Feel the fingers ache and type until early in the morn. Can't you see the letters blurring? It's just an ad for porn. But my song's obsolete. The spam nowadays doesn't have ads for porn. Yeah. Rats, they ruined my song.